Les 2 heures, mes 2 premières heures de stream ont disparu. Mais c'est pas grave. Parce que clairement, il n'y avait pas grand-chose d'intéressant. Du coup, voilà. Il y en a qui me disent, oui, fais gaffe, tes vidéos sont pas gardées longtemps. Mais moi, je suis pas comme Mister MV, moi, hein. Mes vidéos, je compte les mettre sur YouTube. Et je pense même pouvoir le faire régulièrement. Et ne pas en oublier. Je pense même les sous-titrer. Comme ça, les gens qui n'ont pas d'ouïe pourront quand même comprendre mes conneries. Ce qui est pas mal. Et ça permettra aussi aux gens de plus facilement faire des recherches dedans s'ils veulent récupérer des bouts de stream ou de son, hein, des bouts de vidéo pour faire des montages ou whatever. Voilà. Donc du coup, j'ai perdu mon premier stream. Je suis un peu triste, mais c'est pas grave. Clairement, c'était du test, donc j'aurais peut-être dû retester avant, mais tant pis. Donc vous avez raté des parties de Crypt of the Necrodancer. Vous avez raté un certain nombre de parties de Crypt of the Necrodancer cachées derrière une fenêtre de navigateur internet parce que je l'avais laissé devant sans m'en rendre compte. Vous avez raté le fait que j'ai découvert que Twitch a une API pour son chat qui est un chat IRC et que du coup je vais probablement essayer de développer ou de chercher une solution pour me développer une solution web pour ce truc. Comme ça, je pourrais plus facilement enfin je pourrais fabriquer mon skin en fait en CSS comme je le veux exactement. Alors, je pourrais sûrement un joli skin Master Race Paint. Ça sera beau. J'aimerais bien faire ça, ça sera rigolo. Donc sur ce, merci à mes gentils camarades qui ont bien voulu me faire des retours. Hendrix et Cotran. Et merci aux quelques visionneurs qui sont passés par hasard parce qu'ils avaient vu un petit poney. J'espère que je restreamerai bientôt. Je pense que je vais faire ça tous les jours. Il est possible que j'en fasse ma vie. Ce sera cool. Voilà. Xoxo.